Des mineurs
moyens d'opération extérieure, quel que soit le service en place, il faut se demander ici. Bon, il y a certaines spécialités, à l'issue de cette formation qui dure 10 mois, bah en fait, on vous proposera un contrat dans la marine nationale pour un certain métier. Pour collecter à la salle. Vous étiez aussi des milieux naturels. Voilà, donc il y a une diversité de milieux. Tous ces milieux, on essaie de les gérer, de les protéger. Parfois avec le pâturage, la fosse. On fait pâturer des espèces très rares. Donc on va aussi faire des suivis. La deuxième grande mission, c'est suivre ces espèces-là via des protocoles. Et suivre des espèces de libellules. Et troisième grande mission, c'est la pédagogie, faire des cours aux écoles, à tous les niveaux. C'est ça nos trois grandes missions. Faire protéger, protéger, suivre, suivi scientifique. Peut-être, hein? Oui. Bah, je ne sais pas quand mon agenda tombe les yeux ou ça. J'ai des trucs de prévu, je crois, pas. Le 3 février pour Yacine à 14h, tu sais? Allez, parlez-nous un peu du pôle autonomie territoriale, l'ancien Clic-Sillage. Depuis le Clic-Sillage, on a pris la compétence... On ne vous entend pas beaucoup, chère madame. Je vais parler plus fort. On a pris, du coup, depuis le Clic-Sillage, la compétence des personnes en situation de handicap. Donc depuis maintenant un an, voire 2 ans. Ouais. On aide aussi les personnes en situation de handicap à remplir les dossiers MDPH. On les renseigne sur les notifications MDPH, on les aide à les comprendre et à les orienter ensuite vers les différents professionnels du secteur. Et puis on a toujours notre mission auprès des personnes de plus de 60 ans. Donc l'idée c'est de les accueillir, de les informer sur leurs droits, d'évaluer leurs besoins et puis après de les orienter vers les différents partenaires comme les aides à domicile, en fonction des problèmes de santé qu'elles rencontrent, les différents professionnels qui sont sur le terrain. Ils ne connaissent pas forcément, donc comme l'équipe spécialisée dans les troubles de la mémoire, l'ESA, qui est à Donne-Marie d'Antilly, les services de soins infirmiers, les associations pour l'aide à l'habitat, etc. Je suis un peu comme Lily.